Donc moi c'est Alex, j'ai 27 ans et je suis actuellement en troisième année d'école d'ingénieur à l'IMT Lille-Douai en partenariat avec l'ISPA. En sortie de BTS, en fait, j'avais la possibilité de pouvoir faire un diplôme d'ingénieur. Le problème, c'est que selon moi, il me fallait une certaine expérience du terrain que j'ai pu du coup acquérir pendant 2 années. Et donc, j'ai toujours gardé un peu cette idée de vouloir faire une école d'ingénieur pour après évoluer finalement dans la vie professionnelle plus facilement. Et donc, en 2016, j'ai repris mes études ici, donc à l'ISPA, pour entamer mes 3 années d'ingénieur. L'ISPA nous apporte en fait de l'innovation, mais également différentes gestions des aspects tels que l'humain, l'organisation, le technique, mais également l'économique. Parce que de manière générale, si on devient responsable, on aura ces 4 points à gérer au fur et à mesure du temps. Le plus grand avantage de l'alternance, c'est de savoir si on est fait aussi pour ce métier en fait. On prépare une formation qu'on peut quasiment presque tester directement. Et le deuxième, je dirais qu'on a cette connaissance générale de l'entreprise et du monde professionnel associé à ce domaine. L'ISPA nous apprend aussi un peu à évoluer avec les technicités et justement les demandes et les obligations que le monde industriel aura besoin demain. On peut aborder des sujets tels que les matériaux biosourcés, qui permettent de se biodégrader finalement. On va être sensibilisé à ces différents points. Je pense que c'est vraiment un enjeu pour nous, les générations futures, de trouver des solutions pour justement peut-être donner encore une image encore plus belle au monde du plastique. Donc, au sein de l'ISPA, on a différentes vocations. Donc on peut partir dans la recherche et le développement. On peut partir dans les métiers d'industrialisation ou alors des métiers liés à la production. Ça va d'ingénieur dans ces 3 cas-là, à responsable, pour ceux qui ont la possibilité de vouloir manager des équipes. Donc, tout dépend de ce que la personne souhaite avoir. Il y a beaucoup de possibilités après la formation d'ingénieur à l'ISPA. Si vous souhaitez trouver un partenaire d'avenir, choisissez l'ISPA.